Rien ne prouve qu'Alexandru Vizinescu ait été forcé d'infliger ces mauvais traitements dans la prison Râmnicu Sărat. Et il n'a apporté aucune preuve pour soutenir cette ligne de défense. Je crois qu'Alexandru Vizinescu comprend pourquoi il est sur le banc des accusés aujourd'hui. Les questions qu'il peut se poser, nous nous les posons tous. Pourquoi est-il le seul accusé dans ce dossier? Pourquoi cela a-t-il lieu après tant d'années? Mon mari a quitté ce monde sans avoir trouvé la paix. Ça me trouble encore. Je continue cette lutte. Je fais un cauchemar qui se répète. Je rêve de mon mari dans un fauteuil roulant, enchaîné, des pieds au cou. Il me prie de le libérer car il n'en peut plus. Comment pourrais-je continuer à vivre?